Je vous prie de vous abonner, merci. Vous êtes là, bienvenue dans ce tutoriel. Ce tutoriel est à propos d'une démarche en ligne pour un rendez-vous en préfecture de Yvelines. Ok, dans le 78, nous allons voir comment renouveler votre titre de séjour en cette préfecture. Vous savez que en 2024, les choses ont évolué. Donc, il faut prendre rendez-vous pour pouvoir accéder au guichet. Le plus important, je vais vous montrer deux façons d'avoir ce rendez-vous. Je vous prie de vous abonner, merci. La première façon va être d'aller sur le site même, je vais vous montrer. Mais celle que je vais vous montrer avec le numéro, eh bien, celle-là, c'est ce que qu'il faudra retenir. Ça, même si le site change ou autre chose, ça sera toujours la même façon. Partagez s'il vous plaît, merci. De ce fait, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour plus dans ce tutoriel. Donc, si vous êtes dans le Yvelines, donc, vous allez, moi, je vais me connecter sur Internet parce que là, je ne suis pas connecté. Sur la chaîne, vous avez plusieurs types de vidéos. Ok, donc vous avez ceux qui concernent le métier de l'informatique même. Donc ça, c'est une démarche en ligne, bien sûr, ça fait partie de l'informatique, mais ce sont des petites choses, voilà. Là, je suis connecté, vous lancez les navigateurs que vous avez sous la main. Donc ça peut être Google Chrome, ça peut être ce que vous avez, hein. Ça peut être Microsoft Edge, qui est par défaut dans Windows. Bon, vous voyez que c'est un ordinateur Windows que j'utilise pour ce tutoriel. Donc vous lancez votre navigateur, moi ça prend un peu de temps parce que, bon, c'est un peu complexe. Bon, ok, lorsque vous lancez votre navigateur, ça sera... ici, d'accord. Il y a plusieurs façons étant ici pour pouvoir aller sur la page où vous allez prendre rendez-vous. Soit vous tapez renouvellement titre de séjour 78. Ceci, vous allez taper ceci non pas dans la barre de d'URL, mais plutôt dans la barre de recherche. Ok, si vous voulez savoir, ici vous tapez des choses. Ok, lorsque vous êtes ici, vous pouvez taper dans la barre de recherche, donc dans le moteur de recherche par ici, que vous pourriez aussi taper ici, mais sauf que lorsque vous êtes ici, c'est l'URL du site qu'il faudra taper ici, chose qu'on va voir tout à l'heure. Donc ici, dans cette barre-là, vous tapez ceci, vous allez tomber sur ce segment-là. Bien sûr, vous aurez des informations concernant cette préfecture. Ça, c'est le site agréé. Okay, vous cliquez sur celui-là et vous serez tombé ici. Ça, partagez s'il vous plaît, merci. C'est la façon basique. Et là, vous avez tout dépend les panoplies de services que vous pourriez faire sur le site. Okay. Si vous êtes en sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, voilà. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est celui-là. Remise de titre pour un renouvellement de récépissé de titre de séjour, pour un remise de passeport de mission, pour une demande de passeport de mission, pour un contrôle médical, pour le point d'accueil numérique. Pour tout cela, vous avez, c'est ce que vous pouvez faire ici. Deuxième façon dont vous pouvez atterrir ici, admettons qu'on reprend le début, vous tapez dans, cette fois-ci, la barre d'URL, ceci. Vous choisissez le plus simple pour vous. Moi, je l'ai déjà tapé, je l'ai déjà récupéré. Je vais tout simplement taper ceci. https://www.yvelines.gouv.fr/prendre-1-22-vous. Bon. Ceci, vous tapez ceci dans la barre d'URL ici. Mais vous prenez le temps, ok? Ça, mettez la vidéo en pause pour pouvoir voir, ok? Là-dedans, vous avez le même service, là où est-ce qu'on a été tout à l'heure. Dans ce cas, on tape ici, on va tomber directement
sur ce que vous voulez. Moi, la troisième partie peut être intéressante. On va vous déposer directement sur la page du rendez-vous. OK? Vous pouvez voir ceci. Admettons que vous lancez votre navigateur, vous êtes ici. Vous tapez ceci. HTTPS slash slash. Là, il n'y a pas d'espace entre les slash, hein. Slash slash www.rdv.préfecture intérieur.gouv.fr slash RDV bref slash réservation slash démarche slash là-dedans vous allez mettre ce code-là que je vais mettre. Je peux vous concentrer s'il vous plaît. Lui, il va vous déposer, vous allez voir tout à l'heure. Ça, vous tapez ceci. OK? Ceci. Si vous avez du mal à voir, c'est ça. Et à la dernière minute, vous tapez 1000. Et vous faites un slash. Pas 100, mais 1000. OK? Ça, c'est le code qu'il faut savoir. Ce code-là, lui, va vous déposer directement. Si je fais entrer pour voir. Hop. Entrée. Vous avez déjà sauté les étapes précédentes. Vous êtes tombé ici. Mettez la vidéo en pause pour comprendre, pour bien taper la chose. Une fois que vous êtes là, eh bien, vous êtes sur la page où vous pourriez prendre rendez-vous par la suite en faisant prendre un rendez-vous. OK? Cet compartiment-là, c'est pour si vous avez déjà un rendez-vous, par exemple, gérer un rendez-vous. OK? Donc, prendre un rendez-vous. Ne vous occupez pas d'autres. Si vous avez déjà un rendez-vous, vous voulez supprimer ou autre, et c'est sur l'autre que vous allez aller. Mais sauf que aujourd'hui, je dirais que je vais gérer rendez-vous. Je vais vous montrer comment prendre un rendez-vous déjà. Vous êtes suivant. Ce mot de passe-là, vous devez le taper. Sinon, vous n'allez pas pouvoir y accéder. Là, vous avez. Voilà, aucun créneau disponible. Il y a eu. OK. Vous avez prochaine, donc soyez connecté sur le site à cette heure-là pour ceci. Et vous avez prochaine, quand est-ce qu'il y a eu? Et voilà, vous lisez les informations. Là, je ne peux pas continuer. Pourquoi? Parce que là, il n'y a aucun. Là, c'est normal. Prochaine façon, quand est-ce qu'il y a des rendez-vous? C'est par ici. Donc, si vous avez vu ce tutoriel en temps et en heure, soyez connecté le 14, 10. 2024 à 8 heures tapant, donc ce mois-ci, et pour des créneaux de la semaine du 6-1-2025, donc mois janvier 2025. Donc si vous ratez ça, il faudrait, oui, quand même. Hein. Bon, là c'est fait, vous pouvez écouter ceci, parce que si vous tapez pas ce captcha, vous ne pourriez pas, vous le lire à haute voix, ok, si vous avez du mal à lire. Sur le parleur qui est là. Et si vous voulez renouveler ça, eh bien, il faudra le renouveler. OK? Là, vous voyez que ça charge. Il faut faire attention aussi lorsque vous avez le rendez-vous. Vous avez 15 minutes pour valider ça par mail parce que vous allez recevoir un mail. Et pour renouveler ceci, si vous avez quelque chose qui est trop compliqué, vous pouvez cliquer sur là, les flèches là. Donc, ça vous génère autre chose. Et si vous avez du mal à lire, vous pouvez l'écouter. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. Je ne vais pas rester trop longtemps. Vous avez compris? Vous avez vu, je suis directement à partir de là, je suis tombé sur la page de rendez-vous. Ok, lorsqu'on va chercher, lorsqu'on tape ceci, ça vous envoie, il faut cliquer. Tiens, si on fait ça pour. Okay. Si je vous montre la procédure, et encore, je suis. J'ai sauté quelques étapes, mais si vous suivez ce tutoriel, c'est moi qui vous ai montré ça.
et vous allez voir que ça va vous aider. Hop. Laissez vos commentaires. Ici, vous êtes ici. En principe, vous avez plein de choses. Donc, je vous ai sauté une page quand même. Parce que si on va dans l'accueil, vous ne serez pas ici. Hein. Vous serez ici. Donc, je vous ai sauté tout ce... ces choses pour ne pas... pour vous simplifier la chose. Bon. OK. Là, vous êtes tombé ici. Là, on était ici. On a cliqué ici sur renouvellement. Un tic. Voilà. On a fait prendre rendez-vous. Parce que gérer rendez-vous, c'est pour autre chose. On a fait prendre rendez-vous. Gérer rendez-vous, ça veut dire que vous avez déjà un rendez-vous, vous ne pouvez pas vous rendre et vous allez modifier le rendez-vous. OK. Et puis là, le captcha qui va apparaître ici pour afficher le nouveau code de sécurité ou écouter le code. Là, vous devez attendre parce que là, il n'y a pas. Sans ce code-là, vous n'allez pas arriver sur la page où il y a des rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour bien comprendre. Ceci, il faut impérativement taper ça. Si vous vous trompez, ce n'est pas la peine. Ça ne passera pas. Vous pouvez demander un nouveau, plus simple. Bon, là, c'est bon, ça c'est simple, je peux le voir. Mais vous pouvez aussi cliquer sur la petite flèche là. Et là aussi, c'est assez simple. Et je peux le voir aussi. Aussi, une fois que, si vous voulez, entendre ça au haut de voix, vous tapez sur le haut-parleur qui est là. Vous attendez. 8, 9, X, C, D, K. Voilà. Là, vous l'entendez. Moi, vu que je le vois et je peux l'entendre, je peux faire ceci. 9, X, C, D, K. Et on fait suivant. Et là-dedans, vous avez tout ceci. OK? Où est-ce qu'on était tout à l'heure? Vous avez vu? Moi, j'ai été en une clic tout à l'heure, vite fait. Là, il y a eu des rendez-vous le 7-10. Donc, le 7-10 donc de ce mois-ci à 8h tapant pour la période du 30-12. 30 décembre 2024. Prochaine, ça serait le 14 de ce mois-ci encore. Soyez connectés. Et à 8h tapant pour la période 2025. Bon, voilà. Enfin, à bientôt. Je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Donc là, je vais enregistrer ceci, parce qu'il y a d'autres démarches que je vais venir faire des tutoriels là-dessus. C'est bon.